Yo, salut le stream, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Assassin's Creed Valhalla. Donc Assassin's Creed vient tout juste de sortir. Donc on est le 20, le 10, pardon, le 10 novembre. Donc ça vient tout juste de sortir. Donc vraiment, bon, donc là, on va tout simplement. Alors là, déjà fait un let's play dessus. Et tout simplement, on va le continuer parce que nous, on aime bien Assassin's Creed. Non, le let's play était très intéressant dès le début. Mais ouais, on avait un petit problème de filtre et tout ça, mais bon, il est pas détecté par Nvidia, donc pour l'instant, on va voir ce que ça donne, quoi. Donc allez, on va continuer notre partie. J'espère que vous allez bien. Moi, bon, pour ma part, ça va pas trop trop mal. Voilà. Alors, ah, c'est en cours, ok. Together. Hop. Donc on est à la cabane de Valka. Donc il nous avait dit que nous allions trahir notre frère bien-aimé, qu'on va trahir. Hop. Alors, on va regarder un petit peu les quêtes. Voilà. Bonjour monsieur, excusez-moi. Je ne sais point galoper. Parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous stream des jeux tranquilles grâce au nouveau PC. La nouvelle config, c'est vraiment génial quoi. C'est un bonheur tous les jours de vous proposer du gameplay, que ce soit sur Tacom, que ce soit sur Assassin's Creed quoi. C'est vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait vachement plaisir et ça m'incite encore plus à continuer parce que vraiment ça va être, c'est une vraie passion quoi. Alors on a des espèces de points d'intérêt, je crois. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjörn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse. A fait bêtise, chef. Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Alors c'est vrai et c'est pas vrai en même temps, donc voilà. Bon, alors où avons-nous des alliés ou pas? On négocie pas avec des brutes. Ta diplomatie. Ouais, avons-nous réellement des alliés ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor.
en t'accueillant au sein de ma famille. Je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi tentais-tu à porter ce fardeau? Oublie-le! Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Bon, ça va, j'ai cru sur le coup qu'on était encore attaqué. J'allais dire ah, non, du, hein. Deux fois là, en l'espace de plusieurs années, ça va. Hein. Sigurd. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Dringre, couvert de sang. Es-tu allé faire la guerre sans moi? Ah, et toi, viking à la peau salée? Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Ranvi, ma chère femme, mon mari revient. Les bras chargés de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Basim. Et Aitam, nous nous sommes rencontrés à Mikligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Oh, Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Ah, les deux là, derrière là, c'est des assassins en fait. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Ou alors c'est des Templiers. Et non, on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux. De pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après deux hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps. Nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu. Lorsque l'heure sera venue. J'ai l'impression que ce type ne sait pas faire la guerre. Mais bon, après, c'est sûr qu'il essaye de protéger son royaume, donc on peut pas lui... On peut pas lui en vouloir, quoi. Pillant à l'envi, des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. Amic Lagarde. Nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål. C'est à toi, Eivor. Approche.
J'ai quelque chose de spécial pour toi. Est-ce que... Par ici, ton cadeau t'attend. J'espère que c'est une femme. Enfin, quoi que non, c'est un peu trop emmerdant. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Pas encore. D'abord, buvons. Ouf, je sens pas ce coup-là. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres du troll. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel ? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois. Ah, ils ont pas d'iscole. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Par les dieux, ou me laisser commencer. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. C'est des assassins pour moi, mais très bon. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Ils sont bizarres quand même, les assassins là. Cela n'a pas l'air de plaire à Itam. Ne suis-je pas digne de ce cadeau ? Ce n'est pas une question d'être digne, Eivor. Plutôt d'adhésion à notre credo et de Aïta. Formation. S'il te plaît. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, essaie-la. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à ta cible. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début. Ah, ils ont perdu leurs doigts ? Mais tu dois apprendre à l'utiliser. Oh putain ! J'ai pas vu. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Donc c'est comme ça qu'on va apprendre un peu les rouages de l'assassinat. C'est vrai que je me demandais. Je me disais, on est en temps des Vikings. C'est vrai que ça a l'air un peu compliqué quoi. Alors est-ce qu'il y aura tous les Templiers et tout ça ? Je sais pas. Votre clan a-t-il un nom ? Oui. Mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu. Mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. Oh, mais quand même, Pernado. Ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Pour effectuer un assassinat, ok. Ah, c'est sur l'autre, pardon. Excusez-moi. Excellent. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte. Ok, donc il faut charger court. Élimine celle-là depuis le rebord.
Un coup parfait. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Exactement, comme cela. Ah, ça, ça y est, on se retrouve dans Assassin's Creed, là. Là, c'est bien. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Ah, merde. Pardon, je me suis gouré. Ok. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam. Silence. Là, Aitam. Bien cette lame. C'est pas bien, là. Laissant Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Ouais, ils sont dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances quand le temps sera venu. Alors pour l'instant, Sigurd a l'air d'être quelqu'un de sympa, mais après peut-être que ça va se détériorer dans l'histoire, mais... Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon, ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla. Je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjotve. Et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Moi, ça me plaît. Ensuite... Nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Est-ce qu'il va y avoir de la bagarre? Ça, c'est ce qu'on veut. Je pense que ce que vous voulez voir aussi à l'écran, c'est de la bagarre. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste. Des guerriers de Kjotve. Point de compétence. Ok. Sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Ok. Donc ils ont infiltré le village, ces espèces de petits enfoirés. Sentinelle, fais attention à toi, l'ami. Je vois rien. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a un truc là-bas, on dirait. Okay, venez ça. Boire! Amusons-en! Hé, hey, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Pas de. Non, bon, je suis. Ah. Ce n'est pas comme manier la hache, hein? Pour boire, il faut des tripes solides. Venez oui, bah participe à une vraie bataille et puis on en parlera après. Trouver les espions de Koch et tuer les... Ok, donc là on a... Ok, ouais, donc là on en a trouvé, là. Tove, tu délaisses l'aiguille pour la flèche. Eivor,
Tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc ? J'en serais ravi. Pas tout de suite, je suis désolé, l'ami. Où est-ce que tu vas ? Reviens ! Ah mais je suis désolé, je suis occupé, l'ami, là. Ah sérieusement là, ouais. Voilà, d'un peu plus précis parce que là pour fouiller tout le village ça va être compliqué. Inspecte les alentours, Sénine. Instant, rien trouvé. Personne n'a envie de se mesurer à moi. Non, personne, non. Donc là on a des alliés. Ça va, la garde est en place. Ah putain, mais ils sont bien bloqués. Trouver tous les espions de Kyosh B et les tuer. C'est bien, mais encore faut-il les trouver. On va grimper au hunter pour voir si on voit quelque chose. Oh, je me suis blessé. Ah là, ça va être compliqué là. Déploie tes ailes, Sénine. Qu'est-ce que c'est ? Fouiller toute la zone, hein, mais ah, je dois vous avouer que là, putain, c'est relou quand il te fait des. Oh merde. Bon, éliminer discrètement un adversaire les uns après les autres pour continuer de révéler les ennemis. Idée. Cacher, attirer-les en sifflant X. Ok. Je dois avertir Sigurd. Voilà, ça leur apprendra. Chaque jour passé à ne rien faire, Kyotve devient plus fort. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kyotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour.
Ce poison a déjà souillé nos eaux. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. Trois hommes envoyés par Kyotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre folle, le village de baleiniers que tient Kyotve. Alors attaquons, brûlons-le avant que Kyotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Ah putain, pourquoi on fouille encore? Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Ok. C'était le regard qui tue. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Je vais regarder un peu les graphismes. Je trouve que c'est bizarre hein, quand même. Bah, je suis tout au maximum, hein. Je peux pas faire mieux. Faut que j'aille... Ah, faut que je prenne le bateau? Ok. Vers les vagues! On ne peut pas encore naviguer à la voile. Ah, on ne peut pas naviguer à la voile. Guerrier, Tringir, lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kyotve. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime. À ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, nous allons priver Kyotve de notre folle. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se répétera de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux ces îles. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mènera. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Styrbjörn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. Ouais, enfin... Il sert à la prévision qu'elle nous appelle, l'autre vieille, là. On va voir, donc c'est bien celle-là, donc on accoste direct, les gars, débarquement. Après, j'espérais qu'il y aurait plusieurs bateaux, mais non, là, on a que des petits... On a qu'un seul petit bateau. Bon, après, il y a assez de guerriers, j'espère, mais... Ça va être la bagarre, en tout cas. Ça va être la bagarre, ça, c'est sûr. Oh. Ramenez la voile. Oh, vas-y, on va essayer de descendre ici. On peut pas descendre, attends. Ok. Calme-toi, je t'en bloque. Bon, c'est vrai que je suis pas maître pour construire. Putain, je suis bloqué. La voile. Profitons du vent. Plus de toile. Gardons ça. Bon, voyez comme ça. Essayez d'y aller en mode discret. Putain.
C'est ça que la baleine, hein. Préparez-vous. Bon, prudence avant tout. Je suis en train de cramer, je vais crever. Putain, sérieux. J'espère qu'on n'avait pas sauvegardé trop loin. Enfin... Ok, on est pas mal. C'est bruit d'explosif, faut faire gaffe. J'ai plus de machin, putain, fait chier. Plus de flèche. Ok, on passe au plan B. Oh putain, je suis encore en train de cramer, putain. Vide-toi de ton feu. Oh merde, putain, je croyais que c'était un ennemi. C'était un allié, ça. Oh là là, putain, mais faut faire gaffe à ces trucs qui explosent, là. Surtout qu'en plus ça explose très très facilement. Donc on va faire attention, quoi. On doit tout recommencer, bon, ça fait chier.
On va faire attention aux flammes cette fois-ci parce que là. Détruis ces chariots. D'accord, donc ça c'était un coup. Je pouvais pas parer. Oh putain. On fait gaffe au feu, hein, le feu, ça brûle. Ta mère s'en Ah voilà. Depuis quand tu tapes dans un truc, ça explose. Ah mais non, de Dieu. Bon. On va y arriver, hein. On est pas trop mal avec l'arc, hein, quand même. Que le feu les engloutisse ! Bah, pourvu que ça nous engloutisse pas, parce que ça fait trois fois que moi ça me pète à la gueule, hein. Bon, ok. N'espère pas, monsieur ! Oh, les barils ! Finis ton temps avec cette chaleur ! Allez, mais avance. Restez concentrés. Mais comment je fais pour? Alors, pour la... Oh, oh. Moi je vais pas y aller. Oh merde. D'accord, c'est comme ça qu'on lance. Ok. Ok. On va continuer à monter. Ces
chariot. Notre pôle est en ruine. Que le sang et la cendre soient un exemple. Des navires approchent. Ouais, ben le nôtre il est resté à quai et les hommes nous ont pas subi donc on est un peu dans la merde. Rejoindre Sigurd, ok. Putain c'est qui eux? Gloire au clan du Grand Corbeau! Quelle sanglante moisson! Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le-lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi? As-tu un intérêt dans cette guerre? Cette guerre entre le clan de Kjotve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que ouais. Kjotve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix. Et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Ok. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Pas sûr, moi. Au contraire, c'est toute une autre impression. J'ai l'impression qu'au contraire, ça va foutre la merde plus qu'autre chose, et là, on va se retrouver avec d'autres ennemis. Enfin, voilà, quoi. De toute façon, le jeu serait pas passionnant si c'était la paix. De toute façon, donc, voilà. Rise together. Dans le menu compétences alors, menu compétences. Alors, donc là nous avons un nouveau départ. Corps à corps, plus 2 de dégâts, corps à corps, ok. D'accord. 2 dégâts de corps à corps. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bonus à tous les équipements alignés. On va faire ça. 5 de résistance puissance. Ça, c'est bien.
Ok, et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Dégâts critiques. Ok, on est pas mal. Salut Kayson, ça va? Ah ouais, d'accord, on a été garé, ouais. Tac. Y'a la marche arrière sur le bateau? Ah merde, attends, non mais, je suis con moi. Faut pas que j'aille là. Cette eau, elle est d'un froid glacial. Ouais. Sauter dans l'eau comme ça, putain, je crois que là tu te tapais une hypothermie là. On est retourné à notre... On est où là? Oh, on a Florim, hein. Non, mais je sais pas parce qu'il y avait l'autre là qui était censé rester en arrière et là, ouais, bon, c'est l'autre. Allez hop. Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kyotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. Ça va, Kayson? C'est bien ça, et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci, mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kyotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kyotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kyotve est derrière avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kyotve. Bien dit, mon Skald guerrier à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kyotve. Ah, il fait partie des Templiers? Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kyotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas, mais Kyotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kyotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Bon, ça va, j'ai cru qu'ils allaient faire chier pour ça sur le coup. Reviens, Kyotve, et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Putain, il est... Ceci, il est musclé, ceci hein. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Demande à Ongang, ici, contre le briseur de serment.
tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es aussi faible que ton avorton de père. Que le sang coule. Oh, oh, ouf, putain. Tu penses mieux que tu ne te bats. Ouais, non, par contre. Patience. Ah oui, d'accord. Ma lame va boire ton sang. Mes loups vont te dévorer. Ok, d'accord. Oh, 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 oh. Mais c'est quoi ce délire? Il voulait quoi lui? Une manœuvre sans honneur, ami des loups. Tu es bien le fils de ton père. Ah, parce qu'à chaque fois quand tu as un personnage dans Assassin's Creed, on a des espèces de visions. Debout, Eivor. Ah, carrément, c'est Odin là. Putain, faut pas. Éveille-toi. Odin ? Que veux-tu de moi ? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Quoi, c'est tout? Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de trois générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non. Mon clan ne sera pas oublié. Carrément. J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Oh. Du grand corbeau, vous êtes condamnés. Avancez si vous en avez le courage et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm. Sa dette est payée. Ouvrez les portes et vous serez épargnés. Ouvrez pas, moi ça me. Rêve, ami okay. Des loups. Archer, encochez. Corbeau, pas de pitié. Archer, tirez. En avant vers la gloire! Je sens que ça va me plaire. Je vais t'arrêter. À moi!
Putain, j'y vois rien, j'arrive pas à me déplacer. À la faveur d'Odin, vous allez... Alors, déverrouillez les portes, ok. Qu'Odin t'emporte. Odin, emporte. Allez, en avant tout le monde. Odin est avec nous. Ton destin est... C'est le temps de briser les chines. Oh, c'est quoi ça? Ah. Ce caillou dans le crâne. Ah ouais, ça fait mal les cailloux, monsieur. Je vais vous montrer la double fan de Bragi. Regardez-moi. C'était violent. Il faut déverrouiller cette porte maintenant. Est-ce qu'on peut se soigner déjà? Putain. Ah oui, voilà, il faut juste appuyer sur H. Tranchez-leur la tête! Faites couler leur sang! C'est pas lui, putain, j'allais flinguer. Franchissez ce mur et défoncez la porte. Eivor, garde le réfugié dans le temple. Hop, ça dégage. Est-ce qu'on peut... Attends. Ok, d'accord. Donc si on cueille des plantes, c'est là qu'on se soigne. Ok, bon, bah, ça va. Du coup, parce que... Je veux dire, voilà. Il faut affronter l'autre. La quête aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm. Faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Ok, donc lui, il saute.
Alors lui, en fait, il fait partie des Templiers, si j'ai bien compris, si je dis pas de conneries. Mais sauf que à cette époque, parce qu'on est bien avant tout ça, quoi. Ça s'appelle pas les Templiers. Hop. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par deux fois, son père meurt aujourd'hui. Putain, il s'est enfui. Oh, l'enfoiré. Nous avons la victoire! Laisse partir ce lâche! Nous avons... Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné, mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Écoute-moi, tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guttorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Thing d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte. Je sens que ça se passera pas bien. Je sais, Sinin. Une autre fois. Donc on a quand même vengé notre père, donc c'est déjà ça. Et en plus, on a défait son fief. Donc, on n'est pas trop mal. Un dessin cruel. Qui est terminé. Voilà, donc, bah, écoutez les enfants, on va se laisser sur ce, donc, pour cette deuxième partie de Assassin's Creed. Et puis voilà quoi. J'espère que ça vous aura fait plaisir. On se retrouve peut-être dans un petit moment pour soit du Escape, soit du Watchdog. Je sais pas encore. Et puis voilà. En espérant que vous ayez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit du coup à tout de suite pour autre chose. Allez, bye bye tout le monde.